Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc ici c'est Yoko pour la seconde partie donc sur Super Mario The Lost Levels. Alors espérons que ça soit un peu mieux que la dernière fois. Hop, ouais, on était bien arrivé là. Là c'est nickel, je dois même pas devoir... Oui, on peut choisir, j'étais persuadé que quand on continuait la sauvegarde on pouvait pas choisir à nouveau le perso. C'est plutôt une bonne chose. Je vérifie s'il n'y a pas de bouton utile, non. Bon, on va continuer. Bon, le score par contre revient à 0, hein. Je pourrais faire F4, quoique, allez, soyons fous pour le score. C'est bien F4, hein. Ouais, c'est bien ça. Hop, bah, comme ça on va reprendre tout de suite là-dessus. Hop, bon, on va enchaîner, donc le fameux level, donc... Voilà, comme ça c'est fait. Premier écran game over. Et pas le dernier, hein. Bon bah je serai quand même à zéro finalement. Donc le premier level avec le Lakitu qui réapparaît. Putain, je croyais que j'allais rebondir dessus, je vais dire je le fais exprès ou quoi. Le problème quand on se met dans ce genre de coin mort, c'est qu'après pour ressortir... Par contre comme vous avez pu le voir, il ne peut afficher que 3 Lakitu d'affilée. Ah oui, cool. Donc à partir du moment... Voilà, ben ça c'est le gros, je trouve, le gros défaut de ces putains de trampolines. Des fois ils font chier et on saute n'importe comment. Hop, mais bon, c'est pas grave. Il va se barrer. Je vais quand même récupérer les pièces. Alors si vous avez été habitué à me voir jouer à Mario avec Mario Bros 3, là la différence entre guillemets de skill est assez impressionnante. Bah oui, bien sûr. Personnellement, avec les niveaux avec ce jeu... Non, putain, mais c'est pas vrai, quoi. Bon, bref, on reste cool. Ouais, bah oui. Oh, je l'ai eu. Je vais pas tomber. Non. Non, mais... c'est pas vrai, quoi. Bon, allez, on souffle. Ouais, bon, je vais même pas taper cela, ça sert à rien. Non, il n'y a pas de petit tuyau, rien du tout. Celui-là, je le connais vraiment mal, hein, donc... on va te faire voir. Non, mais... Normalement, quand on est collé à un tuyau, c'est pas censé sortir. Bon, putain, mais ça promet, quoi. C'est honteux. C'est honteux. Je sais même pas pourquoi je les sors, en fait. Je sais même pas pourquoi j'ai choisi de Lost Level. Je savais ce qui m'attendait. Je sais que je suis pas un PG. GM. Non, mais là, sérieusement, c'est exagéré, quoi. Ah, ma patience est déjà mise à rude épreuve. Bon, j'espère vraiment que mon skill va s'améliorer. Non mais là c'est chiant par contre. Du coup je peux pas me mettre en sécurité nulle part, je suis obligé d'attendre. Putain mais je te jure. Dégage toi. Allez non, pas ici. Hein. Ouais c'est ça, bien sûr. Vous avez vu ça? J'ai failli me vautrer quoi. Il y a trop longtemps que j'ai joué à ce jeu, je crois. Du coup, je me fais défoncer. T'as vu ça, j'ai perdu 3 vies en l'espace de quoi, 4 minutes, quoi. Il me reste une seule vie, quoi. Il y a des frères marteaux, Lakitu, et des... Bon, désolé pour le bruit du casque. Des billes, bah oui, allons-y, hein, de toute façon. Putain. Non. Non, moi mais non, mais n'importe quoi là. Bah, que ça m'énerve, hein. Toi, dégage. Là, je tape un frère marteau.
En plus, si vous ne prenez pas d'élan, vous mourrez. Là, il y en a un, je m'en rappelle. Le problème des frères Mato. Putain, je suis passé. Ouais, non, mais ça, c'est pas du jeu, mon gars. Tu sautes. Ouais, évidemment, au moment où je vais vouloir... Non, non, toi, tu t'en vas. Oui. Piou. Eh ben. Ah, pour les professionnels de ce jeu-là, ils doivent être en train de vomir ou de se marrer, ou je sais pas trop. Bon, déjà, il n'y a plus de l'Akitu. C'est déjà une bonne chose. Eh ben. Là, j'aime pas, c'est un peu le saut de la fou. Oh, mais ils sont pas bien dans leur tête, quoi. Putain, mais les plateformes sont vraiment placées. Elles sont bien placées, en fait. Hein. C'est vraiment un truc d'enfoiré. Yeah. Au secours. Ouais, bien sûr. Et puis quoi encore? Geronimo. Oui. Piu. Ah là, si vous m'entendez pas souvent rager ou que c'est vraiment sporadique, là ça va être un peu plus fréquent. Il me reste une vie pour le château, ce qui veut dire que je vais avoir un game over de merde et je vais pouvoir recommencer. Je le sens arriver comme une maison. Ah, le truc d'enfoiros. Cool. Ok. Non, mais... On va pas discuter, hein. Ça sert à rien. Ouais, non, ici, faut attendre, parce que c'est ça, le prix. Elle, contrairement au rouge, elle s'arrête pas aux plateformes. Phew. Bon, celui-là... Yes. Si je me souviens que c'est relativement enflé comme truc, voilà. Oui. Ah merde. Putain, la pression est incroyable. Bon, il y a un moment où j'ai la paix. Bon, il me semble que si je saute dans ce tuyau... Putain. Putain de... Bon, allez, la boule. Oh, pas de flamme. Oh putain! Alors là, j'ai une moule pas possible, hein. C'est pas permis. Attends, on est à peine au level 4, quoi. Bon, ça me rassure. Au moins là, si j'ai game over, je reprends ici. On va un petit peu plus se concentrer quand même. Hein. Maintenant qu'on sait qu'on peut pas faire confiance au plan de Piranha qui ne s'arrête plus du tout. Oh! Bon, t'as cru, hein. Pour pas qu'elle ressorte, faut vraiment être pile dessus, je crois. Oh oh. C'est pas possible que ce soit déjà la fin. Ah oui, je me souviens de ces conneries. C'est le vent en fait, vous souffle et vous pousse fatalement. Et bon, on va le laisser passer, hein. Et du coup, des fois, vous prenez de l'élan. Et par certains endroits, vous allez voir, ça va pas être en notre faveur, quoi. Il y a des endroits où, justement, ça va être hyper chiant. Là, en l'occurrence, c'est juste pour nous montrer un petit peu la physique à changer, quoi. Putain, j'ai eu de la chance. Bon, là, ça va me prendre la tête. Hi-ya!
Jérôlimo. Ah oui, ici c'est... Ok, ok. J'ose pas courir parce qu'il me semble qu'il y a un endroit justement où... Il faut pas y aller trop franco et je sais plus c'est lequel. C'est pas celui-là. Alors je sais pas d'ailleurs si vous êtes habitué à ce jeu, hein, si... Enfin, je te demande pas si vous êtes un PGM, mais... Oh, cool. On peut pas les tuer. Mais... Peut-être que vous maîtrisez le jeu, ou vous le connaissez, ou vous le connaissiez pas, je sais pas quoi. Bah moi je suis un peu déçu en fait de ma prestation pour l'instant. Étant donné que... C'est pas un jeu que j'ai fait 50 fois non plus, mais... Oh, totalement au pif. Alors, laisse tomber, je vais peut-être pas risquer ma vie pour ça. Mais de mémoire, en tout cas, ce jeu m'avait posé beaucoup moins de soucis. Alors ici, pour ceux qui veulent les voir, puis il y en a une juste là, le bloc à droite, tout seul. Et oh putain, il est glissé. Là, mes nerfs vont jamais tenir le coup. Non. Non mais lol quoi. Continue. Oh, on reprend au 5 du 2. Oh, bah le game over me fait plus peur alors. C'est rassurant, déjà ça rendra la chose moins chiante à regarder pour vous si jamais je m'enchaîne les game over. Bon. C'est peut-être le deuxième. Ouais, le deuxième déjà, ce qui est plutôt honteux pour quelqu'un quand même qui se dit rétro gamer. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est mon ego là qui en prend un coup en fait. Mon ego de gamer qui en prend un coup. Bah, disons qu'en fait là j'aurais pas dû hésiter là où je suis tombé. Ça m'aurait évité une mort à la con. Attends, non, non. Je vais pas me mettre là parce que je sais pas si on peut redescendre après. Je me souviens pas, j'ai pas fait attention. Voilà, je savais qu'on pouvait passer, j'aurais dû passer au-dessus, on pouvait. Yeah. Bon. Bah ça va, finalement, ça se sera pas trop mal passé. Bah disons que là, je suis un peu rassuré, c'est que maintenant, je sais qu'avec le game over, je crois que ce truc avance. Hein. Ouais. Je me rappelais plus du tout de ça. C'est trop cool. Oh, regardez ça. C'est comme ceux qui font les TAS, sauf que moi je meurs et que c'est pas un raccourci. Comment ça, Toulouse? Oh non, j'y crois pas. On est obligé de rester sur ce machin en fait. On peut pas essayer d'esquiver. D'accord. Bon, bah, au moins je le sais maintenant. C'est quoi leur problème? Je comprends pas. Peut-être tuer les ennemis, je sais pas. Ah, d'accord. Ouais. Je voulais rebondir sur sa tête, mais bon, évidemment, il a changé de direction. Parce que je pense qu'il faut peut-être aller dans le tuyau. Je vois que ça, de toute façon. Oh, putain, encore pire, regarde-moi ça, quoi. Like a professional. Yeah! Ok, je fais comment, moi, dans cette histoire? Il y a l'autre tronche de poulpe, là, qui veut pas s'approcher. Bon, ça joue plus malin qu'un Yoko. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Youpi. Est-ce que c'était ça? Je n'en sais rien. Il n'y a pas l'air. Ouais, bah oui. Faut... Je vois rien. Oh. Putain, mais c'est tordu comme truc.
Putain de... Oui. Ouh. Là, vous voyez, quand je vous disais que la difficulté, elle est pas en diminuant, c'est pas faux. Hein. Quand on sait le truc, ça va, mais comme là, pour être franc, je redécouvre le jeu vraiment... Enfin, pas complètement, mais... Je vais rien dire. Je redécouvre pas le jeu complètement, mais disons qu'il y a des choses que j'avais complètement oubliées. Allez. Et tu sautes cette fois. Merci. En fait, ici, il y a tellement de... Piège de merde. Putain, alors là, vive la hitbox. Bon, en même temps, vous me direz... Ça craint. Mourir en se faisant cramer le chapeau, c'est un peu stupide. Bon, alors ici, on va faire ça comme un taré. Je suis sûr que ça va pas m'aller, mais... Oh, les salauds, quoi. Putain de... Doucement. Allez toi, vas-y. Ok. On va passer par en dessous, hein, ça. Non, c'était une mauvaise idée. Putain, bah oui. Évidemment, c'est logique. Bon, c'est pas grave. On reste zen. Bon, non, je pensais que j'allais dire, ils ont enlevé le fait que les boules peuvent rebondir. Putain, ça s'est joué au poil de fesses aussi. Du coup, j'ose plus avancer, je sais plus où s'il y avait des boules de feu. Allez. Bon, c'est quand tu veux, toi. Je t'emmerde, mais... Putain! Waouh! On s'emballe pas, Yoko. On s'emballe. Putain! Souffle. Foiré Bowser. Par contre, j'adore dans la version All Stars, peu importe que ce soit Mario 1 ou le Lost Level, c'est pareil. Quand on finit un château, il y a une petite animation à chaque fois que les toits, donc c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis le début. On va faire un truc. Hop, une petite save quand même, par précaution, au cas où ça merderait. Il y a une petite animation à chaque fois différente pour les toits. Je trouve ça, c'est tout bête, hein, mais je trouve que ça fait plaisir, quoi. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille là. Allez! Ah non, mauvaise idée. Oh oui! Bah oui, bah. Pff, ouais, on va rien dire. Hein. On ne va rien dire. Bon, allez, vas-y, crache tes trucs, toi. Non! Ouf. Ah, je m'en doutais, hein, je suis obligé de prendre de l'élan. Aïe. Mais continue, c'est pas grave, hein. Un game over de plus, on n'est plus à un près. Alors attends, on va se jouer fino. Pourquoi ça marche jamais comme je veux? Putain de saloperie. Tiens, oh, raté. Non mais oh, ça va aller, ouais. J'ai du mal à garder ma vie, alors si en plus les améliorations... Alors, toi tu vas de l'autre côté. Oui. Voilà, c'est ce genre de conneries, vous voyez, là ça vous aide pas, hein. Contrairement aux apparences, mais c'est pas possible. Au secours, pourquoi j'ai choisi ce jeu? Bon. Restons zen. Hop. On va y arriver. Il suffit de pas s'énerver.
Oui, c'est moi qui dis ça. Non, mais non! Abusé, quoi. Ah, je trouve que c'est du n'importe quoi, là, ce que je fais. Mais c'est pas grave, hein. Là, c'est mort. Pff, en plus, je le fous encore plus haut. Non, mais c'est pas grave. Bon, ici, on s'emballe. Va te faire voir. On s'emballe pas. On s'emballe pas. Voilà, doucement. Non ! Salaud, putain. Voilà, merci, le vent. Vas-y, passe. Je suis pas pressé. Yeah ! Oui ! Victoire ! Je sais même pas combien de temps de vidéo j'en suis, d'ailleurs. Je crois que ça fait une bonne demi-heure, je suis pas sûr. Bon, allez, je vais finir ce niveau-là. Et on s'arrêtera là, je crois que ça va faire une bonne demi-heure. Et je pense que pour mes nerfs, et pour éviter de vous spammer de mort, c'est pas une mauvaise idée. Mine de rien, on est quand même déjà au 6 du 2. Putain, alors là, j'ai une moule, les gars, mais... Oh, putain de... Oui, alors ces saloperies de plateforme, faut faire attention. Elles peuvent vous entraîner dans le fond, hein. Putain. Non, mais là, je joue au pixel près, ça ne va pas, quoi. Parce que ça marche un certain temps, ça, hein, le coup de bol du pixel, mais il y a un moment où ça passera pas. Avance, putain, oui. Là, on reste zen. Non. Allez, avance. Oui. Oui. On va pas créer Victor trop vite, hein. Je suis déjà mort ici. Il y avait un stage où il y avait des Goombas. Et dans la précipitation, comme d'hab. Hop. Les poissons volants. Hop, petite save state, voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Vraiment désolé pour ceux qui sont habitués à pas me voir mourir tant que ça. Là, honnêtement, je vous dis, hein, ce jeu, c'est pas ma bête noire, hein, loin de là. Mais c'est un jeu, voilà, où on meurt facilement, surtout quand on s'en rappelle plus et qu'on a paumé ses réflexes. Enfin, c'est pas que j'en avais des masses, mais enfin, disons que. De mémoire, je m'en sortais mieux que ça avant, mais c'est pas grave, j'espère en tout cas que ça vous fait marrer, histoire que ça serve à quelque chose. Voilà, donc en attendant, bah, je vais vous laisser là. Oui, une dernière chose avant de vous quitter. Concernant Pokémon, où je vous avais demandé dans le premier épisode de choisir si je faisais un Pokémon déjà, si c'était le rouge, donc la toute première génération, ou le rouge feu qui était son remake, avec quelques ajouts supplémentaires. Il semblerait donc que ce soit rouge feu qui l'emporte pour le moment, donc je pense que je vais partir là-dessus. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, quoi. Pour le moment, en tout cas, je pense bien faire rouge feu, voilà. Et donc, c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. Donc, je vous dis bien, eh bien, à la prochaine pour la suite de ce let's play. Bye!